était venu avec l'étiquette de favori parce qu'on avait évidemment une DS3 WRC, donc c'est sûr que on nous attendait aussi au tournant. Et on a très très bien commencé le rallye, donc on a pris un bon rythme dès le début. Et on a fait un peu la différence. Malheureusement, donc, dans la quatrième spéciale au fond de l'EF, j'ai fait une petite erreur. On a fait un tête à queue, on a perdu une dizaine de secondes. Et ça a permis aussi à Francis Lejeune, avec sa Porsche, de revenir sur nous. Et il a fait aussi une excellente deuxième boucle. Et il nous a mis à 10 secondes à la fin de la deuxième boucle. Et finalement, on a continué à mettre la pression sur le premier, sur Francis, et il a fait une petite faute dans la 9e spéciale, et on en a profité, et puis on a bien géré jusqu'à la fin. Donc on est très très content du rallye et de la manière dont on a roulé. Fait les beaux pneus, et là je crois qu'on a montré qu'on pouvait être dans le coup. Et puis voilà, une petite erreur qui m'a coûté cher. J'ai la douille qui me sert à desserrer mes roues, qui est venue se coincer dans mes pédales, et j'ai fait d'abord un tête à queue, puis j'ai dû m'arrêter parce que elle s'est coincée derrière la pédale de gaz. Donc voilà, j'ai perdu un peu plus de 20 secondes et le rallye. Ben voilà, satisfait. On n'avait pas eu beaucoup d'essais avec la voiture avant le rallye. Donc on a été très calme la première boucle, et j'ai appris à gérer un petit peu la voiture là, et on n'a pas pris de risque, on n'a vraiment pas été aux limites de la voiture. Et de toute façon, je pense que la Porsche était plus puissante que la nôtre sur le sec, et Cerdiridis avec la WRC était supérieure à nous. Donc voilà, je suis satisfait, franchement, pas d'ennui, pas de crevaison, super bien amusé, tout mon team est là, ça va être la fête. La suite du programme pour toi, c'est où ? Si tout va bien, rallye de Wallonie, le rallye Sprint Nayo, le rallye du Condro, le rallye de la Famenne. On n'avait pas eu trop de préparation pour faire ce rallye ici. Quand même, on a attaqué tout de suite. On a vu les temps qu'ils étaient pas mal. Oui, pendant la journée, on avait. À mon avis, c'était à cause de la sortie qu'on a fait. On a arraché le collecteur d'échappement. Et on s'est calmé un peu pour voir l'arrivée quand même, parce qu'on voulait avoir les points pour le championnat de Luxembourg et pour les RT aussi. Et voilà, on a vu l'arrivée, on est content d'être ici. Voilà. C'est a super bien débuté, donc on est parti encore sur un bon rythme. C'est même dans la première boucle qu'on fait nos meilleurs temps. Après, on a bien géré, on avait des bonnes notes, le temps était idéal. Les Ardennes étaient vraiment des belles spéciales cette année, donc on s'est bien amusé. Donc voilà, on reviendra. Très vite dès le début. On a été deuxième tout de suite et on n'a fait aucune erreur, aucun problème à l'auto. Et un super rallye, on s'est amusé comme des cons. Et voilà, c'est super bien. Voilà. La suite du programme pour vous, c'est le Dezoual, le Col du Dezoual à Herculine. Et on repartira là-bas.
Ok. On a quand même pris le départ, parce que normalement, on devait rouler qu'une 306. Merci à Valérie Lemineur, à Eric Marnette et à Wilkin, qui ont remonté la voiture en vitesse, puisqu'elle était démontée de Spa, et ils l'ont remontée sur deux jours. Donc, un super rallye, on s'est bien amusé, c'est un peu compliqué à utiliser l'électronique. Mais on a perdu beaucoup de temps, ils ont solutionné dans les deux dernières le... Il y avait un émetteur de la boîte de vitesse qui déconnait. Et on s'est retrouvé 5 fois au point mort en pleine spéciale. Donc il faut s'arrêter, refaire la stratégie, redémarrer. Et on a perdu 1 minute et demie, 2 minutes. Mais le but, c'était d'être au départ vis-à-vis des supporters déjà. Parce que j'ai encore vu aujourd'hui qu'on avait énormément de supporters.